Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter le cours du mercredi 29 avril. Donc d'abord on va voir les questions, on va voir les questions et on va voir un peu les réponses possibles aux questions. Alors ce sont des questions variées, d'ailleurs, avec est-ce que, qu'est-ce que, qu'elle. D'accord Comment Donc, vous avez plusieurs questions ici. Alors, on regarde la question 1. Donc, ici, on commence ici, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, la question 1, sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes Alors, qu'est-ce que tu vas prendre avec toi Alors, par exemple, moi, j'emporte des livres. Par exemple, je donne un exemple pour la réponse. Euh, avec quoi joue-t-on au rugby Alors vous vous souvenez on, c'est-à-dire nous ou linen joue-t-on Donc c'est tcho et doti l'inversion du sujet joue. Vous avez mohem on, vous avez o mohem. Donc au milieu tungane, vous allez écrire le t. Avec quoi joue-t-on au rugby Alors en France il y a deux sports importants, le football et le rugby. Attention, la phonétique rugby. D'accord. Donc ici, si vous regardez ça, qu'est-ce que c'est C'est un ballon rond ovale. Donc avec au football, pardon, on va jouer avec un ballon rond. Au rugby, on va jouer avec un ballon ovale. D'accord. Donc la réponse, on joue avec un ballon ovale. Qu'est-ce qui sonne? Dring! Et envoie Poneda des SMS, Munja Message, Kakao Talk, etc. Bien sûr, c'est un téléphone portable, ou c'est un téléphone, ou c'est un smartphone, hein, c'est possible. À côté, alors très très célèbre, quel est le monument le plus connu de Paris? Monument. Donc euh, Kinyommoul, euh, connu Yumiurada. Donc, quel est le monument le plus connu de Paris? Bien sûr, c'est la tour Eiffel. Attention, tower, non. Tap, non. La tour T-O-U-R, la tour Eiffel. C'est la tour Eiffel. Qui fait le pain? D'accord? les Français mangent beaucoup de pain. Qui fait le pain? Alors l'homme, c'est le boulanger, la femme, c'est la boulangère. Vous connaissez la boulangerie, d'accord Pancaguet, par exemple Paris Baguette, tous les jours, sont des boulangeries, d'accord Donc la personne qui fait du pain, le boulanger ou la boulangère. Je suis blanc et noir et je ressemble à un ours comme... Qui suis-je alors qui suis-je Alors je suis je suis qui Bien sûr c'est un animal, regardez la photo, je suis un panda. Attention la phonétique, panda. Je suis un panda. Là vous avez le dessin. Alors là, c'est un peu difficile hein, pour vous. Vous avez le dessin. Avec quoi enfonce-t-on un clou Donc enfoncer, donc vous avez mot, le clou. Et on va enfoncer d'accord donc avec quoi manti avec un marteau alors n'oubliez pas chonchisa. donc la réponse vous allez utiliser euh, la préposition euh, donc sa lol saillant assez utiliser la préposition donc avec un marteau manti un marteau je suis un fruit jaune et long et les minions m'adorent. Qui suis-je Bien sûr, je suis la banane. Ok, Banana, Non, je suis la banane. On s'assoit dessus. Alors, antra s'asseoir. Difficile. Verbe difficile. Antra s'asseoir. On s'assoit dessus. Oui. Yeah, pour regarder la télé. Qu'est-ce que c'est Alors, vous avez vu qui suis-je ici? Qu'est-ce que c'est? Un objet. C'est un canapé. Alors attention, soup Non. C'est un canapé. Qu'est-ce que les Français mangent avant le dessert? Tijoute. Bon Qu'est-ce qu'on mange avant le dessert en France? On mange du fromage. Tien le fromage Alors, tous les jours, tous les jours, mais il, mais il, ranzan, ranzan, non. Mais souvent, tajou on va manger du fromage avant le dessert. Je coule au robinet, sudokokti. Qui suis-je Je suis l'eau moule, bien sûr. Quel est ton dessert Alors, attention, dijote, en français, un dessert. Ton dessert préféré, qu'est-ce que c'est Alors, le dessert, qu'est-ce que vous avez Quail, les fruits. Ice cream, la glace. Et cake, les gâteaux, par exemple. Hein D'accord Alors, moi, mon dessert préféré, ce sont les fruits. Quail. Je brille dans le ciel, surtout en été. Qui suis-je ben, je suis le soleil. Alors, la phonétique, le soleil. Je suis le soleil, c'est le soleil. Euh, quel est ton sport préféré Alors, on a vu quel est ton dessert préféré. Quel est ton sport préféré Alors, réponse je préfère. Alors, par exemple, moi, je préfère la natation, souillon, la danse, le yoga. Hein, Qu'est-ce que vous préférez quelle est ta boisson préférée La boisson préférée. Moi, par exemple, c'est le thé vert. Donc, tcha, ou c'est l'eau. Voilà, par exemple. Quel est ton fruit préféré Attention, la phonétique. Quoi il le fruit Quel est ton fruit préféré Moi, par exemple, c'est tous les fruits. Ce sont tous les fruits. Moi, j'aime beaucoup. Les oranges, les cerises, chili, poxoua, les pêches, tadou, euh, les abricots, sagua, les pommes. J'aime bien tous les fruits. Quel sport regardes-tu à la télévision Alors, moi, je n'aime pas beaucoup regarder le sport à la télévision. Mais le sport que je regardais en France, par exemple, c'était le tennis. Le football, non. Je n'aime pas beaucoup regarder le football à la télévision. Quel est ton pays préféré Alors c'est difficile parce que tous les pays sont intéressants à visiter, à voir. Hein. Mais ben, j'aime bien la France, j'aime bien mon pays, mais j'aime bien la Corée aussi. Je suis allée en Chine, je suis allée en Turquie, donc en Italie, en Espagne, beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Quel est ton animal préféré Moi, j'aime bien les chats, hein, mais les chiens aussi, hein, j'aime bien. Quel monument accueille les visiteurs à New York Alors, quand vous arrivez à New York, qu'est-ce que vous pouvez voir Bien sûr, c'est la statue de la liberté. La statue de la liberté. Qu'est-ce que tu bois le matin au petit déjeuner Alors bois, machida, boire le matin à timé au petit déjeuner. Moi, je bois du café. Et vous Qu'est-ce que tu détestes le plus Alors moi, je déteste le plus la violence. Pongnyok, je n'aime pas la violence. Qu'est-ce que c'est la vie pour toi, alors là, c'est une question difficile. Oryoun, Tilmun, peut-être la vie, Inseng, c'est comme Kin, Yoren, un long voyage. Un long voyage difficile. Tu préfères la mer ou la montagne Alors, en France, je préfère la mer. Mais en Corée, je préfère la montagne. Spécialement, Palgongsan. Comment tu es habillé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un pull et un jean. Voilà, simple. Quel est ton rêve? Alors mon rêve aujourd'hui, c'est que le coronavirus s'arrête, stop, et c'est de pouvoir aller à l'université, de pouvoir faire le cours dans la classe de rencontrer mes amis, d'aller en france, de voyager, c'est d'être libre et ne pas être toujours à la maison, à la maison. c'est mon rêve. pour voyager, quel est le meilleur moyen de transport? alors, moi, je n'aime pas beaucoup l'avion, piengi. j'aime bien le train ou la voiture ou le bus. mais pour aller en france, Bien sûr, je vais prendre, trada, l'avion. Et bon, je vais aussi utiliser le train, le bus. Hein, voilà. Voilà pour les questions. Donc, utilisez les questions, d'accord Et j'attends vos réponses. Ok, donc ça, c'est bon. On va voir. Alors, je vous avais donné ce texte. D'accord Je vous avais donné ce texte pour lire et comprendre un peu un texte en français. Donc je vais lire le texte écoutez. Bonjour, je m'appelle Camille Papin. Je travaille chez Fimex dans un service administratif. Nous sommes 15 personnes dans le service et tout le monde travaille dans la même salle. On peut se déplacer et se parler facilement. C'est bien pour la communication. Mais il y a des inconvénients. Le bureau est bruyant et quelquefois, j'ai du mal à me concentrer. Je ne peux pas être seule pour travailler tranquillement. Je ne peux pas parler au téléphone d'un sujet confidentiel. Bref, nous n'avons pas d'intimité. Et puis il y a un dernier inconvénient. Monsieur Bonnet, le directeur, travaille dans le même bureau et il contrôle sans arrêt notre travail. Alors ici, le texte n'est pas facile, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots, mais je vais expliquer je vais expliquer simplement le texte. Donc ici, qui parle C'est Camille. Donc d'accord On va voir le style de bureau. Vous avez deux photos. Vous avez deux photos. Donc ici, c'est l'open space. C'est le bureau ouvert, sans cloison. Et à côté, vous avez le bureau. Individuel, tout seul, Honda. D'accord Donc Camille, elle, elle travaille dans ce bureau avec 15 personnes. 15 personnes, c'est beaucoup. Donc vous voyez avec plusieurs personnes. Donc on va voir les avantages, les points positifs, ce qui est bien, ce qui est positif et on va voir. Les inconvénients, ce qui est négatif, les points négatifs. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Les avantages. Alors, les avantages. Se déplacer. Alors, c'est facile. Vous allez vous lever et vous allez pouvoir parler avec vos collègues. Vous pouvez marcher. C'est facile. Il n'y a pas de porte, Moon. Hein, donc, pour se déplacer, pour bouger, c'est facile. Pour la communication, très facile. Donc, vous pouvez dire Ah, s'il te plaît, Pierre, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour se déplacer, pour communiquer C'est facile, c'est pratique, Pionyada, c'est simple, facile. OK Mais il y a beaucoup d'inconvénients. Alors, 15 personnes ensemble, c'est bruyant. C'est bruyant. Et c'est difficile de se concentrer. Donc, j'ai du mal. J'ai du mal au lyopta. C'est difficile de se concentrer. Et je ne peux pas travailler seul. D'accord Alors, par exemple, je travaille et... Yopé à côté, mon collègue téléphone. Blablabla, c'est difficile. Okay? C'est difficile de se concentrer. Par exemple, je veux téléphoner à mes enfants. D'accord Par exemple, je veux téléphoner à mon mari, Nampion. Je ne peux pas. D'accord Ah, bonjour, Yobo. Est-ce que tu peux aller au supermarché Impossible. Je ne peux pas. Et aussi, dans... Le bureau, dans le bureau, il y a le chef sa qui regarde, qui contrôle, qui surveille. Donc, un peu de stress tous les jours dans ce bureau. Donc, ce n'est pas facile de travailler dans un open space. Pourquoi beaucoup de bruit? Alors, c'est bruyant, euh, Difficile de se concentrer. Et aussi peut-être le chef, le directeur qui regarde dans la salle. Voilà. Hein? Donc les avantages, ce qui est positif, les inconvénients, ce qui est négatif. D'accord Voilà. Ça c'est bon. Alors on va, s'il vous plaît, reprendre le livre. D'accord On va reprendre le livre. Alors on avait étudié ici. On avait étudié les prépositions. ça on va voir ici un peu de grammaire, boum pop, et on va voir les nombres. Alors je prends mon livre. Ok. Donc on va voir les adjectifs numéros. Sossous, donc nous avons étudié les, les nombres. Sous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. D'accord Et là, on va voir les adjectifs numéros. D'accord Donc, par exemple, attention pour la date, Nadja. Par exemple, vous allez dire aujourd'hui, c'est le. Alors, par exemple, au Wall, il est. D'accord Donc, au Wall, mais, il Alors, c'est le 1 mai, non. En français, on va dire c'est le premier mais d'accord. donc pour un, l'adjectif numéral est premier. attention, le premier, il teint, par exemple, le premier et la première. le premier, la première, c'est un adjectif. donc, namsonhong, yasunhong, poksuhhong. d'accord. Euh, ensuite, par exemple, moi, j'habite. J'habite au premier étage. Il t'en au premier étage. Mais attention en Corée et en France. Hangou et ça. Donc on va dire premier, deuxième, troisième, quatrième. Il cheung il sam Chung, ding ding ding. Etc. Mais en France, on commence. Chijak. Aré le rez-de-chaussée. Premier, deuxième, troisième, Quatrième. Attention, le système est différent en France. allez t rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, etc. Donc premier, ça va. Après, avec par exemple deux. I, samsa, etc. Deux, deuxième. Trois, troisième. Quatre, quatrième. Cinq, cinquième. Six, sixième. 10 Dix, dixième 30 30e trente, trente, trente donc si vous écoutez on va écrire donc pour l'adjectif sa on va écrire yem. C'est tout. Hein? D'accord? Donc ça c'est assez facile. Alors regardez l'exercice 1. Donc Samshibil Peiji Mitte ilbon munje mumpop. Remplacez le nombre entre parenthèses par un nombre ordinal ou no, hein, un nombre. Donc, on a vu Sosu, Yongyongsa. Donc, Amazon est le premier pour le e-commerce. B. Le bureau de Nina est dans le 15e arrondissement. Alors, vous pouvez écrire avec l'alphabet. 15e, Q-U-I-N, Nanana, ou SHIBO, Sucha et E. Yoppe, e. 15e, c'est plus facile, plus rapide. C'est Raoul habite au dixième étage. D, c'est la troisième porte à gauche. D'accord? Donc n'oubliez pas, premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. D'accord Ça, c'est bon. Après, on continue. On va regarder notre nouvelle long, hein, notre nouvelle leçon. D'accord Ici, on va regarder la page 32, Samshibi, Paiji. Et on va regarder les deux photos, regardez les deux images. Ici, vous avez le bureau ouvert, open space, ou le bureau paysager dans le texte, c'est le bureau paysager ou open space, le bureau ouvert. Ici il y a un homme seul, c'est le bureau individuel d'accord? Donc deux styles de bureau, bureau paysager. Alors vous regardez ensemble les tables chitak, LeMP, rabun un hein, bureau paysager et ici, le bureau individuel.